C'est Mister Phonix et bienvenue sur la chaîne de Sinophonix. Aujourd'hui, quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, car nous allons aider en fait la marque VK World à se développer en France. En tout cas, nous allons essayer. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons lancé une page Facebook VK World France. Et nous allons présenter aujourd'hui un premier smartphone de cette gamme VK World, le VK6735. Smartphone équipé donc du processeur MTK6735 à 1 GHz, une config en 5 pouces, simple mais efficace. Et un prix surtout défiant toute concurrence sur le marché français par rapport à cette config. Donc en 5 pouces, MTK6735, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Et on va voir tout de suite en détail la suite de ce smartphone. Présentation du smartphone qui se trouve ici sur son support. On va commencer par le tour de la boîte fournie par VK World. Donc, comme vous avez pu le voir une fois la boîte fermée, elle est plutôt sympathique, blanche et rouge. C'est du carton, c'est simple, efficace. La boîte est très petite, donc très peu de carton ou papier utilisé. Bref, si on regarde sur l'arrière, donc un rapide aperçu des specs de ce smartphone. Donc, je vais rester en bas et on va zoomer tout de suite. Voilà, donc on vous dit que le modèle effectivement c'est un VK6735, qu'il est donc équipé du MTK6735 en quad-core et avec un OS en 5.1 pour Android, donc c'est plutôt un bon point. La batterie c'est du 3000 mAh, elle supporte la charge rapide et il est équipé donc de 2 Go de RAM et 16 Go de ROM. Au niveau donc des specs globales, donc on vous rappelle que nous sommes sur un écran 5 pouces en HD, donc en 720p. Il est de type IPS en OGS, donc batterie à nouveau 3000 mAh. Caméra arrière de 13 mégapixels, une avant de 5 mégapixels. Au niveau des fréquences, ce qui nous importe ici donc en France, vous avez la bande des 900 en 3G et concernant la 4G, il est en 1.3.7.20. Donc, pour le reste, le Wi-Fi est dual band en 2,5 GHz et 5 GHz, sans Bluetooth 4.0. Et il a un GPS, donc GLONASS, type GLONASS, donc avec normalement un fonctionnement ici sur notre territoire parfait. Enfin, d'ailleurs, quel que soit le pays, mais en tout cas, il devrait capter correctement les GPS. Ensuite, il a la radio FM, donc les sensors de type proximité, gravité et de lumière. Il supporte les cartes micro SD jusqu'à 64 gigaoctets. Ensuite, donc il y a des fonctions de type Smart Wake, AutoKnot. Bref, il est installé avec le Play Store, donc on va regarder ça tout de suite. Alors, petite chose que nous avons trouvé intéressante sur leur packaging, c'est le carton en fait interne qui permet par exemple de poser le smartphone et de le présenter lorsque vous ouvrez la boîte. Vous tirez donc sur la languette, vous avez les accessoires en dessous, mais chose intéressante, c'est que vous avez la continuité en fait de l'explication et du détail en fait du smartphone et de ses fonctions, je vais y arriver, sur ce carton. Donc si on retire les accessoires, donc on regarde tout de suite câble USB, micro USB,
avec le petit tout collant VK World, avec une prise de courant en 1 ampère. Celle-ci est vraiment prise donc européenne, et en tout cas sur notre prise, nos prises France, à cause de nos détrompeurs, souvent ça ne passe pas. Celle-ci passera correctement, ainsi qu'un casque. Au design, bon voilà, je pense que c'est un casque assez simple, mais bon, il y a un petit design rigolo, on va dire. Je fournis avec aussi donc un film protecteur pour protéger votre écran. Donc un film protecteur supplémentaire, il y en a déjà un sur le téléphone. Et donc la petite chose rigolote que VK World a effectué, c'est ceci. Donc lorsque vous ouvrez la boîte, donc vous voyez votre téléphone, et on vous explique en fait sur la face avant, donc la face du dessus du smartphone, à quoi correspondent les différents boutons, les différents boutons ici aussi en bas, donc tactile. Ici, au niveau des icônes qui sont contenues donc dans le smartphone, on vous décrit à quoi cela correspond. Donc les batteries, enfin bon bref, la prise d'appel, ce genre de choses. Et à l'intérieur, une sorte de petit récapitulatif sur les erreurs que l'on peut obtenir lorsque l'on fait fonctionner le téléphone. Et par exemple, vous avez une erreur lorsque vous avez inséré la carte SIM. Alors, il est possible que la carte SIM soit endommagée. Bon, bref, ce genre de petites choses, c'est assez drôle. Et on vous dit que les smartphones sont designés à Hong Kong. Voilà, donc construits bien sûr en Chine, à Shenzhen. La société s'appelle Shenzhen Rui Cheng Technology. Bref, donc bon, du téléphone chinois, nouvelle marque, mais qui a décidé de faire des petites choses sympathiques et qui va lancer d'ailleurs à ce sujet leur flagship d'ici la fin du mois de septembre, donc qui s'appelle le Discovery S1. Et il a la particularité, ce téléphone, d'être 3D, sans lunettes, donc comme l'avait fait HTC et me semble-t-il Huawei, je crois, mais en tout cas HTC c'était clair. Bref, la différence c'est que ce Discovery S1 sera full HD, donc de la puissance qui devrait permettre à ce smartphone de tourner correctement avec un écran en plus 5,5 pouces. Donc il est à découvrir en exclusivité sur notre page France, VK World France, où il y a une petite vidéo de ce Discovery S1, et ça vous permettra de voir un peu ses fonctionnalités. Donc on va tout de suite aborder le téléphone, on se repositionne et on revient. À tout de suite. Voilà, nous sommes repositionnés au niveau des plans, donc ça devrait être beaucoup plus facile pour vous de visualiser, pour nous justement de travailler sur le smartphone. On va commencer par un petit tour du propriétaire, faire un aperçu rapide de ce que VK World a réalisé sur ce smartphone. Un écran 5 pouces, donc par contre pas de rétroéclairage de boutons, pas de LED de notification, c'est une petite config sur le MTK 6735. Donc une coque arrière façon soft touch, donc on n'en voyait plus trop. Moi j'aime bien, c'est plutôt agréable au toucher lorsque vous tenez l'appareil, ça évite qu'il glisse trop dans les mains. Donc ça c'est plutôt un bon point, moi je déteste pas. Donc et après il y en a qui n'aiment pas. Et, bon, la mode actuelle fait que nous sommes sur du tout métal. Là c'est pas du tout le cas. Donc c'est une petite config, donc avec de l'OS 5.1 et 64 bits 4 cœurs, donc à un prix quand même défiant la concurrence, puisqu'on va le trouver en France à 149 euros environ, et il est sur les sites en Chine, on le trouve sur les sites en Chine à environ 110 euros. Donc 110 euros, vous rajoutez les frais de port
plus la TVA à payer et les différentes taxes et frais du transporteur, vous vous retrouvez à un prix supérieur de ce qu'on peut le trouver en France. Bref, donc une config plutôt intéressante par rapport à son contenu et sa puissance. Voilà, donc un petit smartphone, bref, pas très cher, je trouve. Donc, bon point, la batterie ne chute pas, elle est vraiment très, très, très bien enclipsée. Il faut vraiment forcer pour la retirer. Et donc, vous vous retrouvez ici donc avec une carte SIM normale, une micro SIM en deux, et ici le lecteur de carte SD. Donc la caméra arrière de 13 mégapixels, un simple flash LED. La concaténation des deux donne flèche. Donc concaténation des deux donne flash LED. Voilà, bref. Donc on se retrouve sans souci avec des IMEI en 35. Donc pas de problème sur la France. On vous rappelle la bande des fréquences ici. Donc en 3G 900 et les bandes 4G. En LTE, donc en 1.3.7.20, donc totalement compatible sur notre réseau, pas de souci. Donc une batterie annoncée bon, donc pour 3000 mAh. Bon, ça semble être le cas. Par contre, nous avons fait le test, vous verrez les résultats. C'est un peu bon, surprenant, mais elle a tenu par rapport au temps. Que l'on tient avec une 3000 mAh, elle a tenu le temps qu'il fallait. Mais en fait, au niveau de l'affichage, elle se décharge très très rapidement et après elle reste très longtemps autour des 5 derniers pourcents. Elle reste assez longtemps, même sur les 1%. Donc, par contre, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir plusieurs contrôles qualité. Il y en a trois au total. Bon, après, est-ce qu'ils sont vraiment réalisés? Je ne sais pas. Je pense que oui. Sinon, ils seraient tapés dessus. En tout cas, c'est une ROM non modifiée, donc une ROM stock. On démarre le téléphone. Donc aucune modification de la ROM. Quels soucis nous avons eu? Très peu de soucis. Moi, je trouve que l'écran pour un IPS OGS, alors soit c'est la protection d'écran qui bloque un peu. Le côté touché avec le doigt, je trouve qu'il faut appuyer sur certains points un peu trop fort. Bon, maintenant, c'est peut-être mon ressenti personnel, peut-être qu'avec une autre personne, ce serait pas la même chose. Donc, en tout cas, pour continuer sur ce téléphone, donc sur la face avant, donc vous avez le haut-parleur, les capteurs et la caméra ici. Donc, les capteurs se trouvent là, la caméra. En bas, donc les boutons non rétroéclairés. Ici, vous avez donc le microphone. Donc sur l'arrière, le petit trou, je ne sais pas si c'est un microphone compensateur lorsque vous filmez ou pour éviter le bruit alentour. Je ne sais pas à quoi correspond le petit trou. J'avoue que j'ai pas regardé. J'aurais dû d'ailleurs. Et on peut regarder ça tout de suite. À quoi cela correspond. Oui, il doit y avoir, vous voyez ici, un petit capteur micro qui compense en fait les bruits alentours lorsque vous appelez, je pense. Donc la coque en fait fait façon type unibody. Donc c'est au niveau de la finition, c'est propre, hein. Il n'y a pas de bavure. C'est très propre. Donc vous avez l'écart entre le mat du soft touch et le brillant de la face avant. Bref, voilà, donc nous sommes sur le téléphone, voilà comment il est livré d'origine. Pas grand-chose, voilà, c'est vraiment l'Android stock pur, donc ici nous avons installé nos applications, mais c'est l'Android stock pur. Et on va déjà regarder donc au niveau des menus. Donc nous sommes connectés en Wi-Fi donc sur notre borne ici. Le Bluetooth rien de particulier, le Hotnote pareil. Donc au niveau de l'affichage rien de particulier non plus. L'adaptation de luminosité on va le mettre en automatique comme ça il va s'éclairer un peu plus.
Par défaut, il était au niveau de l'affichage, il n'est pas en rotation automatique, pivotement automatique, il était en mode portrait. Donc nous l'avons passé en faire pivoter. Ensuite, je rezoome un peu le système gesture. Donc, ils ont intégré le principe que Dougie avait inséré à l'époque sur leurs anciennes gammes, sur leur ancienne gamme, le capture d'écran à trois doigts. Donc, vous posez les trois doigts, schlac, et vous avez une capture d'écran. Donc, au lieu de faire le bouton volume moins et on off, bon, moi je le mets pas. Le double tap to lock screen. Voilà, donc ça fonctionne, hein. Il y a la petite vibration existe, hein, sur les touches. Donc vous savez quand vous faites quelque chose, on ressent la petite vibration. Voilà. Donc on était sur le système gesture, son notification, bon, rien d'extraordinaire. Au niveau du stockage. Alors, une seule partition, très bien, moi je trouve ça parfait. Donc on vous rappelle bien que c'est un espace total de 16 Go, en disponible 9 Go 5, espace occupé au niveau du système 6 Go 5, niveau des applications 250 kg, audio, bon bref, voilà. Donc il y a quand même pas mal de prix au niveau du système. C'est assez bizarre parce que généralement on tourne autour, plutôt autour des 4 Go, là 6 Go 5. La batterie, vous n'avez pas de fonctionnalité de visualisation du pourcentage d'utilisation, enfin du reste de la batterie, ce qui vous reste à utiliser. Il existe par contre par défaut une application qui est lancée et qui vous indique ici en haut, voilà, 64 avec le volume de batterie restant. Pourquoi avoir installé cette application? Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas de spyware ou ce genre de choses intégrées dans cette application. J'ai vérifié un peu, il n'y a rien d'annoncé autour de cette application. Et donc sur les applications, au niveau donc de la RAM, donc au niveau de la RAM, ici de disponible 1 Go 5 et pris donc 370 MB environ par les applications, 107 par le système, donc ce qui nous fait environ 2 gigas pour l'ensemble de la RAM. Donc correct par rapport à tout ce qui est annoncé. Donc ensuite, au niveau de la sécurité, rien d'extraordinaire parce que c'est du code PIN ou schéma. Bon bref, il n'y a pas de lecteur d'empreintes d'intégrer sur ce smartphone. Langue et saisie, vous voyez que nous sommes déjà passés en français. Bien entendu, il existe toutes les langues, puisque ça, c'est propre à Android. Par défaut, il se remet en clavier donc Android français. Vous avez fonctionnalité de, bien sûr, sauvegarde, réinitialisation, valeur d'usine. Donc, d'ATR, on s'est mis sur le réseau. Intelligent Wake Up. Alors, voilà, c'est lorsque l'on se met en français, tout n'est pas traduit. Et en particulier, cette fonctionnalité qui est, je pense, en fait propre, ça ressemble à d'autres systèmes de gesture qu'on a sur d'autres smartphones. Là, il y a des petites choses en plus où vous avez donc, vous mettez en place l'Intelligent Wake Up, donc le réveil intelligent. Et en fait, pour le réveiller, pour unlocker le téléphone, on fait un trait vers le haut. Exemple, donc on va le loquer, donc très vers le haut. Je n'ai pas assez appuyé. Voilà, je le faisais mal parce que je regardais la caméra en même temps. Donc voilà, très vers le haut et ça réveille le téléphone. Bon, pourquoi pas. Ça fait partie des petites choses qu'ils proposent. En tout cas, au niveau de leur ROM sur ce smartphone. Donc, programmation de mise en marche classique, impression à propos du téléphone. Donc, il n'y a pas de mise à jour actuellement de disponible. Donc, en dehors de ça, au niveau des perfs, c'est du grand classique. On va vous montrer ça tout de suite.
Alors l'écran, bien sûr, n'est pas un écran JDI, il est en HD, donc en 720, mais vous pouvez voir par vous-même, moi je ne vois aucune tache, donc toujours par rapport à d'autres smartphones qui coûtent quand même, on va dire, 50% de ce prix, de son prix en plus, il y a peut-être, et encore, je pense que c'est la lumière qui fait ça, ouais, il y a un petit halo en fait en bas, ici, mais le reste, honnêtement, il n'y a rien à dire sur cet écran. Donc un noir profond, un noir, bon, voilà, il est vraiment noir. Donc au niveau des pixels dans ce gris, je n'ai rien vu de particulier. Après, je trouve qu'il manque un peu de luminosité et un peu de quelque chose qui pète aux yeux. Bon, il reste malgré tout sobre cet écran et il est clair que je vais le poser. Il est clair qu'il ne fait pas non plus mal aux yeux lorsque vous le regardez avec certaines couleurs trop flash ou trop pétantes. Là, je trouve que le rouge quand même manque un petit peu de luminosité et je le trouve un peu terne. Le vert est un peu mieux. Le bleu, pareil, je trouve qu'il manque un peu. Après, avec la caméra, ça risque de donner pour vous quelque chose d'assez sympa, mais à l'œil nu, je trouve qu'il manque de luminosité. Donc, bref, si l'on regarde les différents points de pixels et autres, bon, moi, je vois rien de... Il n'y a rien. Donc, voilà, il est bien, cet écran. Donc, les niveaux de gris sont juste bons. Voilà, il n'y a pas de souci. Pareil, les niveaux de couleur. Et à la caméra, le fait que ce soit une Full HD, on a l'impression que c'est un peu plus pétant. Or, franchement, à l'œil nu, je trouve qu'il manque. Voilà, il manque quelque chose, un petit quelque chose. Mais bon, rien de bien grave, surtout par rapport à sa gamme de prix et ses performances. Parce que vous le verrez par la suite, il est performant ce téléphone, donc il est très très bien développé au niveau de sa ROM, firmware, intégration des composants, communication des composants, tout ça, il n'y a pas de souci. On va regarder tout de suite le phone tester. Et on va regarder donc au niveau du statut, donc des sensors. Voilà, donc l'accéléromètre fonctionne, il n'y a pas de souci, et donc le capteur de proximité et de luminosité, voilà, donc NIR, phare et la luminosité, là lui il dit rien, alors que l'autre jour lorsque je l'ai caché, voilà. Alors c'est moi, je pense qu'il cache mal parce qu'avec les projecteurs. Enfin, vous l'avez vu, voilà, hop, on passe à 0 quasiment, à 20. Oui, à 20 lux. Donc là, on est à 280 sous la lumière. Donc voilà, il fonctionne ça là-dessus, il n'y a pas de souci, mais je pense que la lumière est vraiment trop forte. Donc le Wi-Fi status, bon, et pas grand chose à dire, donc il n'y a pas de SIM card, bref. Au niveau téléphonie, au niveau du GPS, on vous montrera après le fonctionnement du GPS en extérieur, donc là-dessus, c'est pas la peine. La batterie, donc nous sommes à 62%, elle est à 25 degrés, donc au niveau de sa santé, elle est bonne, pas de souci là-dessus. Donc le multitouch, on va faire l'essai tout de suite, on va vous montrer. Donc un doigt, 2, 3, 4 et 5. Voilà, d'accord. Donc il n'y a pas de souci sur ce point, contrairement à un smartphone que nous avons testé très récemment, où bizarrement on ne dépasse pas les 3. Donc bon, maintenant... Multitouch à 5, je demande à voir qui l'utilise. Donc au niveau de la caméra, donc on nous dit du 13 mégapixels à l'arrière, donc là on nous annonce suivant la résolution de celle-ci, nous sommes à 12,70 environ. Ok, donc ça semble correct.
Ensuite, pour la caméra avant, nous annonce du 5 et lui, au niveau de ses tests, il annonce du quasiment 4. Bon, il y a une petite différence sur ce point. Je pense que c'est lié à la résolution annoncée. Mais j'ai des doutes sur l'angle, enfin sur l'angle, n'importe quoi, puisque je lisais l'angle, sur la définition exacte annoncée par Vecchia World sur la caméra frontale. Autant pour l'arrière, bah voilà, il n'y a pas de doute. Sur la caméra avant, on peut avoir un petit doute. Mais je tombe jamais sur, et de toute manière, on ne tombe jamais sur ce qu'annoncent les constructeurs, de toute manière. Donc de ce côté-là, je ne sais pas les seuls. On est toujours en dessous de ce qu'annonce le constructeur de toute manière. Et donc au niveau du système, donc on vous dit bien que c'est le modèle VK6735, un 4 cœurs à 1 GHz, donc 2 Go de RAM. Donc la release est bien du 5.1. Ensuite au niveau donc du l'affichage de l'écran, on est bien en 720p, donc 720 par 1280. Ensuite l'internal storage, nous sommes à 12 Go, donc moins bien sûr les 4,5 Go environ à peu près hein, souvent de système pour l'OS. Donc il nous reste 12 Go effectif et nous utilisons actuellement 2,5 Go. Je n'ai pas trouvé l'ensemble de ces 2,5 Go. Il faudrait que je vérifie ce point. Ça fait beaucoup, je trouve. Donc voilà au niveau du phone tester. Au niveau du Geekbench, donc nous l'avons lancé avant-hier pour le test de la batterie. Donc on va regarder ses résultats. Je vais découvrir avec vous parce que je ne les ai pas regardés depuis. Voilà, donc la batterie a tenu 7h30. On n'était pas complètement à 100%, on était à 98%. Bon, on a dû perdre allez, 5 minutes. Bref, donc environ allez, 7h35, bon bref, 7h30 de tenue pour une batterie de 3000 mAh, ce qui semble correct. Donc, bien sûr, ce type de batterie, on ne tient pas la journée. Il faudra le recharger au moins une fois dans la journée si vous voulez continuer à l'utiliser. Au niveau donc de la décharge, vous allez voir qu'en fait, on passe sur des choses. En fait, il y a des résultats bizarres. En fait, je n'ai pas compris réellement complètement son fonctionnement. Donc en cycle de recyclage, en fait, on passe à 143 à 93 en 30 minutes. Vous voyez qu'en fait, elle se décharge vraiment très rapidement parce que en 2h30, on est à 50%. Ce qui paraît très étonnant puisqu'elle a tenu 7h30. Et à la fin, vous allez voir que les 1%, à partir de 5h08 jusqu'à 7h30, donc la phase finale ou la mort, en fait, vidage complet de la batterie, on est resté à 1%. Donc pendant près de 2h30, on est resté à 1%. Et c'est ça qui me gêne un peu. Je pense que là, au niveau du firmware, il y a quelque chose à améliorer de ce côté-là. Bon. En tout cas, elle a tenu donc 7h30, ce qui est plutôt un bon score pour une batterie de 3000 mAh. Donc les benchmarks de Geekbench, on ne va pas les refaire hein, parce que c'est toujours la même chose. Ce que l'on va regarder tout de suite aussi, donc c'est le score AnTuTu de ce smartphone. Nous l'avons déjà lancé, donc on n'a pas à attendre. Et le résultat, il n'y est pas. Comment ça se fait? Il l'a pas. Ah, bon, bah écoutez, on relance le test et puis on avancera, on se mettra en avance rapide.
Donc voilà, terminé pour ce AnTuTu. Donc sans grande surprise, on a un score de un peu plus de 20 000, classique sur le 6735, bien que certains smartphones équipés de ce même processeur soient autour de 19 000. Lui, il est à 20 500, donc bien entendu des scores qui correspondent à vraiment des anciens smartphones d'autres constructeurs. On va dézoomer un peu. Donc, ce score a été validé sur AnTuTu. Au niveau de l'application CPUZ que nous avons installée, en fait, qui permet à voir, en fait, de voir en temps réel l'utilisation des CPU. Donc, par exemple, là, on sortait de AnTuTu, on a pu voir que les 4, en fait, étaient à 221 MHz. Donc, que les 4 processeurs étaient utilisés. Voilà. Au niveau donc du device, donc de l'appareil, lui il analyse en fait l'écran comme étant un 4,6 pouces. Et alors, depuis que j'utilise ce CPU-Z, aucun des écrans n'ont réellement 5 pouces ou 5,5. On est toujours donc en deçà, mais si on mesure en fait sa dimension réelle, je pense en fait qu'il retire, voyez la barre, je pense qu'il la retire. Parce que si on mesure en fait avec un centimètre, un décimètre, hein, peu importe, la dimension exacte de point, enfin d'angle à angle, on est vraiment sur du 5 pouces. Bon. Au niveau du système. Donc toujours pas de date en interne intégrée. Au niveau de son build, donc le dernier qui est ici, la dernière mise à jour c'est celle-ci, et malheureusement on n'a pas de date, donc la batterie toujours pareil. Lui il donne les températures, donc je crois qu'au niveau de la, voilà, on est à 25 au niveau de la batterie, donc la batterie ne chauffe pas, et on a à 37 au niveau du CPU alors que AnTuTu vient de tourner, donc qui demande pas mal de ressources, donc un téléphone qui reste on va pas dire froid, mais vous voyez, d'ailleurs, le sensor marche mieux en fait sur CPU-Z. Voilà, un smartphone en fait qui reste assez frais, voilà, assez frais, alors que l'on fait tourner des choses tout de même compliquées au niveau des calculs, comme AnTuTu le fait, et bon, il chauffe pas. Voilà, donc c'est une bonne chose de la part de ce smartphone. Au niveau du GPU Bench, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que je l'ai fait tourner. À moins que je me trompe avec un autre, donc non, on ne l'a pas fait tourner. Donc, ce que je vais faire, bah, comme pour AnTuTu, je le laisse tourner, comme ça vous voyez en direct, et vous verrez les résultats tout de suite après. Voilà, je le laisse en fonctionnement. Voilà les résultats donc donnés par GPU Bench. Allez, fais la mise au point. Voilà. Un score plutôt pas mal quand même hein, par rapport à ce Mali-T 720 et 6735 Mediatek. On a une moyenne de 42 frames par seconde, ce qui est un peu plus élevé que d'autres smartphones équipés du même processeur, donc CPU et GPU. Donc la communication entre les deux se fait plutôt pas mal. Voilà. Donc le point sur cet outil GPU Bench. On va donc continuer avec. On va visionner pardon, une vidéo. Et vous allez voir. Que bah moi je voilà, je trouve qu'il manque de luminosité, c'est bien dommage. Je vais couper le son, sinon on va être encore embêté. Voilà, on va se mettre avec des vidéos très haute définition.
Et toujours sur la vidéo sur le Costa Rica, celle-là est vraiment. Alors, à la caméra, il manque pas de luminosité, je trouve, parce que le fait qu'elle soit Full HD avec un capteur sensible au niveau de la lumière fait que ça augmente la lumière de cet écran. Mais honnêtement, à l'œil nu, on voit qu'il a une belle définition, il est propre, mais je trouve qu'il manque vraiment, vraiment de luminosité. Mais voilà, ça fonctionne vraiment parfaitement. On voit qu'il a des couleurs quand même très bien rendues. Il fonctionne parfaitement hein, cet écran. Il n'y a vraiment aucun souci. Moi, c'est je trouve, mon avis personnel, c'est qu'il manque de luminosité. Bref, voilà, vous avez vu la petite langue du serpent. On va s'arrêter là. Ensuite, au niveau, pardon, au niveau du son. Donc, on va enfin, se loguer et puis vous montrer, vous faire écouter tout de suite une musique pour vous puissiez apprécier donc le haut-parleur. Mais comme d'habitude, hein, le haut-parleur, c'est pas de la hi-fi. Page de l'artiste que nous avons l'habitude de suivre, donc un artiste de Sydney. En Australie, bien entendu. Qu'est-ce que. On va tester. Voilà, une musique. Alors là, il est particulièrement. Il est particulièrement aigu le son là. Donc, autre chose. Il est quand même particulièrement aigu le son rendu sur ce haut-parleur. Ça vibre pas trop, mais c'est vraiment très aigu. Bref, donc bon, de toute façon, tout plastique et plus haut-parleur, bon, gamme plutôt moyenne, bah, ça va pas aider. Donc bah, on va regarder tout de suite en fait le test en vidéo, bien entendu, du GPS. À tout de suite. Que nous n'avons pas encore abordé, excusez-moi, sur ce smartphone, ça commence à faire long en termes de présentation sur ce smartphone, c'est la caméra. Donc on va tester tout de suite la caméra et vous montrer que celle-ci fonctionne plutôt pas mal. Voilà. Toc toc toc, caméra, elle est cachée. Donc caméra, 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 appareil photo. Voilà. Donc on va déjà prendre la boîte avec le logo et on va se mettre en deux couleurs comme ça. Voilà. Et on va prendre notre oiseau avec ses taches brillantes. Je suis sorti. Ah, alors. Voilà. Voilà. Donc, au niveau des résultats de la photo, voyez, franchement, 13 mégapixels annoncés, il n'y a pas de doute là-dessus. Regardez le piqué, il est très bien.
Caméra fonctionne très très bien. Honnêtement, franchement, là, je trouve pas grand-chose à redire, hein. Elle est lumineuse, même si, comme d'habitude, hein, je le répète, mais l'écran n'est pas aussi lumineux que la vidéo. Mais voilà, on voit que le piqué de cette caméra est juste. Voilà, on va zoomer à fond. Regardez. Voilà. Honnêtement, c'est du vrai 13 mégapixels. Il ne ment pas sur ce point. Voilà, les caractères, le code barre. Voilà, là je suis à fond. Donc effectivement, on commence à avoir les pixels. Il suffit de dézoomer. Deux fois, voilà, et on reste quand même pas mal zoomé pour voir que cette caméra fonctionne parfaitement. Et on va finir en fait sur ce smartphone sur ses dimensions annoncées, son poids, et on fera un petit point sur ses points positifs et points négatifs, et on aura fait le tour de ce VK6735 de VK World Mobile. Donc au niveau de ses dimensions annoncées, ils annoncent, donc on va vérifier ça tout de suite. VK World annonce donc 14,3, donc on est bon. Largeur 7,2, c'est ok. Et en termes d'épaisseur, ils annoncent 7 mm. Et donc 7 mm, c'est au point le moins épais, je suis à 8. En fait, si on regarde bien, effectivement, entre, vous voyez, il y a un arrondi, vraiment entre le milieu et le bord de l'écran, on est à 8 et ils annoncent 7,2, donc on est juste après le virage, en fait. Voilà, bon, bref, c'est classique chez tous les constructeurs, hein, quels qu'ils soient. On préfère prendre là où c'est plus intéressant pour nous, enfin pour soi en tout cas, que de prendre là où c'est le moins intéressant. Bref, c'est comme la pesée. On va regarder ça tout de suite. La pesée, ils annoncent, donc VK World Mobile annonce 160 grammes et nous sommes à 135 grammes. Alors vous voyez, 135 grammes avec la batterie. Donc 136 grammes au lieu de 160 annoncés. Bon, je sais pas d'où vient le poids annoncé par VK World sur ce smartphone. Donc, pour conclure sur ce smartphone, nous, il nous a bien plu. Bon, un design classique, hein, une dalle toute noire. Il est quand même performant, vous avez pu le voir au niveau des résultats, par exemple au niveau du GPU. Donc c'est une petite config qui est performante, mais qui a des défauts de jeunesse. Ces défauts de jeunesse, c'est les temps de réponse pour fixer le GPS. Défaut, bon après on tire sur les prix, mais une LED de notification, ça coûte pas grand-chose, ni le rétroéclairage d'ailleurs. Peut-être qu'il est aussi trop plastique. Bon, d'autres smartphones beaucoup plus chers étaient aussi tout plastique. Bon, ça, je trouve que c'est un critère, somme toute, arbitraire, de ce côté-là, mais bon, il est à contresens de la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mode veut que l'on insère des petites touches de chrome, un peu de métal pour montrer qu'on fait quelque chose de peut-être un peu plus premium. Mais il n'en reste pas moins, bien qu'il soit tout plastique, un smartphone d'excellente facture, bien fini, même s'il est donc tout plastique, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de colle qui dépasse. La seule chose aussi que je dirais, c'est son film d'écran qui marque très facilement. Donc je ne sais pas si on retire le film, si l'écran lui-même, si le verre ou le plastique, en fait, en tout cas le plastique, parce que ce ne sera pas du verre, hein, le plastique du dessus va marquer aussi très facilement, mais ce film protecteur marque très facilement. Il est en tout cas correctement collé, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de bulle, hormis ici autour du haut-parleur. Voilà, la caméra fonctionne plutôt bien aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose à redire, c'est après c'est des détails. Moi, je le trouve plutôt bien né.
Il y a quand même une optimisation à prévoir de l'arôme, je trouve. Donc, pour que le GPS soit fixé plus rapidement. Parce que si vous l'utilisez en voiture, vous risquez de vous énerver. Voilà, donc, petit package sympa, livré avec le minimum syndical. Il y a quand même donc un protège-écran supplémentaire et un casque. Bon, bien que les casques aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, plus personne les utilise quasiment. Donc voilà, pour conclure, c'est plutôt un smartphone bien né, mais il reste quand même des choses à revoir. C'est une petite config pas chère. Voilà, donc vous pouvez décider de le commander sur Internet si vous voulez. Et en tout cas, ce modèle sera le modèle testé hein, sera commandable sur le site sinophonix.fr et vous pouvez aussi donc commander ces smartphones sans taxes supplémentaires sur directement sinophonix.fr, donc qui est officiellement maintenant le représentant de la marque VK World Mobile pour la France. Et nous avons déjà donc lancé la page VK World France sur Facebook et vous pouvez nous suivre pour obtenir plus de nouveautés, plus de détails sur le suivi de ces smartphones. Donc voilà, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas pour le petit pouce vert et puis à la prochaine. Allez, ciao!